Salut à tous pour notre deuxième séance de notre quatrième semaine. Déjà, on avance vraiment très très vite dans nos séances. Aujourd'hui, on va un peu augmenter encore la cadence par rapport à il y a deux jours. Donc, on va commencer toujours, même chose, deux exercices d'échauffement, cinq petits exercices de travail et bien sûr, deux, trois exercices de stretching pour bien récupérer. On reste dans du 40 secondes, 20 secondes, donc 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. Très très important, bien respecter les temps de récupération et les temps de travail. Et quand on est prêt, vous prenez votre petite bouteille, votre essuie, bien sûr votre timer, et alors on est parti. Je mets mon timer. Voilà, le premier, comme je vous ai dit hier, on va le faire corde à sauter. Moi j'en ai pas, donc je vais faire sans. Ceux qui en ont une peuvent la prendre, bien sûr. On est parti pour 40 secondes de corde à sauter avec ou sans, bien sûr. Voilà, on saute bien souple sur les pieds. Voilà. Très important de bien rebondir sur les pieds, pas trop lourd, bien travailler dans les chevilles. Voilà. Si vous avez la corde à sauter, vous tournez le tour. Vous le faites en deux fois si vous voulez, avec un petit bandre, si c'est trop dur de le faire en une fois. Très important de rester en mouvement pendant 40 secondes. Voilà, bien souple. Bien faire monter le rythme cardiaque. On tient. 2, 1. Ok, parfait, super. On voit que notre rythme cardiaque augmente, c'est ce qu'on veut. Bien échauffer le corps, très important. Parce qu'après, on a quand même 5 bons exercices. On a 20 secondes, on va faire un petit front kick. Donc, on va aller chercher son genou avec son coude en faisant, bien sûr, en alterné. 2, 1. C'est parti. Voilà. Bien toucher. Bien toucher votre avec votre main, votre genou. Voilà. Bien devant. Bien solide. Bien garder votre rythme. Voilà. Toujours dans un souci de faire augmenter le rythme cardiaque, bien échauffer ses jambes, bien préparer son corps à l'effort. Alors encore 3, encore 2, encore 1, super, très très bien, on prend 1 minute 30, c'était un petit échauffement assez tranquille, pas trop dur, parce qu'on va quand même commencer avec des bons exercices. Voilà, on sent que notre rythme cardiaque a augmenté, notre corps commence un peu à transpirer, donc on est prêt pour faire nos 5 exercices. Très très simple, le premier sera le boxer squat punch, donc c'est un squat en faisant un petit coup de poing, donc on descend assez bas et en même temps on part sur une rotation du haut du corps. On va aller comme si on va frapper un peu plus haut que nous. Faites-vous plaisir, allez-y, sortez toute votre rage si vous avez de la journée et vraiment profitez à bien descendre bas et faire une belle rotation. Et surtout, bien garder votre rythme dans le travail que vous faites. On prend 1 minute 30. N'oubliez pas, bien respecter votre minute 30. Vous pouvez boire, bien sûr, mais pas trop. On prenait des petites gorgées pour rester hydraté. On va bientôt s'y mettre. Bien se préparer. N'oubliez pas, votre petit tapis près de vous, parce qu'après, on va passer sous le tapis. Donc, très, très important. Dans le squat punch, descendez assez bas et montez assez explosif. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher bien les extrémités. Allez, on se prépare, on y est presque. Toujours bien respecter la minute 30 de récupération, même si vous vous sentez prêt pour le faire, c'est surtout pour tenir toute la séance. Allez, on y va dans 2, dans 1, et c'est parti. On descend bien bas, et on va chercher bien sur les côtés, avec une rotation de la jambe latérale, un squat assez profond, et on va chercher les côtés avec une belle frappe. Voilà, c'est un moment aussi de détente, donc n'ayez pas peur de bien sortir tout votre stress que vous avez de la journée. Allez, cherchez bien loin, descendez et allez mettre une belle rotation latérale pour bien. Alors encore 2, encore 1, super, très très bien. On prend son petit tapis rapidement parce qu'on n'a que 20 secondes de récupération. Très important de bien
respecter ces 20 secondes de récupération. On va faire un abdo avec les bras tendus, donc on s'assied. On va aller se coucher sur le dos, dans 2, dans 1, bras tendus, et on va remonter. Voilà, essayez vraiment de ne pas donner trop d'à-coups au départ, et d'aller remonter, d'aller toucher vos genoux avec vos coudes. Voilà, si vous savez, vous gardez vos pieds à plat, si vous avez du mal, vous mettez vos talons pour bien chercher. Ah ouais, des abdos, deux versions possibles, très important, essayez d'avoir un dos bien plat et les bras bien tendus. Même si c'est dur, essayez de ralentir votre cadence, de continuer. Allez, un dernier. Ok, parfait. On reste sur notre petit tapis et on va faire un petit push-up, très très simple. Par contre, on va faire une pompe et on va roter de chaque côté. Donc on va aller chercher le ciel. On se prépare, on se met en planche. Deux variantes possibles, une avec les genoux. On fait une pompe et on va chercher avec sa main derrière. Voilà, on fait une pompe et on va à l'autre côté. Version plus compliquée, on pompe, on va chercher derrière. Voilà. Essayez vraiment de garder votre rythme. Vous pouvez commencer par la version difficile. Si vous avez du mal, vous déposez les genoux et vous continuez. Très important, toujours continuer l'exercice. Ne jamais s'arrêter pour avoir vraiment l'effet efficace. Allez, on en fait encore un dernier. Voilà, très très bien. On récupère 20 secondes, bien sûr. On va faire un petit burpee. Burpee très très simple. On lance les jambes derrière, on ramène devant et on fait un petit saut. Ou un petit saut, ou alors on remonte un peu explosif. Deux versions. Je vais commencer par la version facile. Dans 2, dans 1. Jambes derrière, jambes devant, et on monte. Ça, c'est la version facile. Sans petit saut. Si vous avez du facile, vous faites la même chose avec un petit saut. Derrière, devant, petit saut. Voilà. Essayez de garder votre rythme assez élevé. Que ce soit dans celui-là ou que ce soit dans celui-là. Essayez de bien garder le bassin assez haut, comme vous avez avec les jambes derrière. Donc pas descendre ici. On reste assez fermé au niveau du bassin et on lance les jambes derrière. Encore un dernier. Ok, super. Vous voyez, même moi je suis essoufflé. Donc ça veut dire que ça travaille. C'est ça le plus important. On va repasser en planche et on va partir des coudes, monter en place, redescendre. Très important, garder le bassin fermé. On est prêt dans 2, 1, c'est parti. Donc on pousse, on redescend. Deux variantes possibles aussi. Ici je le fais avec les genoux décollés. On peut le faire bien sûr avec les genoux au sol pour les gens qui ont plus du mal. On peut commencer comme ça et finir celui-ci, ou bien commencer comme ça et essayer de finir en planche. Ça, c'est à vous de voir. Bien pousser sur vos bras. Hop, on pousse bien. On tient 40 secondes, bien sûr. On essaie d'être bien souple. Encore un dernier. Parfait. On prend 1 minute 30 de récupération. Voilà. On a bien travaillé. Vous voyez, moi aussi, je suis essoufflé, donc ça veut dire que ça travaille. N'ayez pas peur d'être essoufflé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme. Au contraire, ça veut dire que vous travaillez et que vous progressez. C'est ça qui est très important. Progresser, n'ayez pas buvez un petit coup, toujours avoir une petite bouteille d'eau près de soi. Il ne faut pas boire toute la bouteille en 20 minutes d'exercice. Ce qui est important, c'est de boire des petits coups de temps en temps. Vous avez votre essuie, vous pouvez vous éponger le visage, pas trop transpirer. Alors il y a des gens qui aiment bien voir qu'ils ont transpiré, donc il n'y a pas de souci, ça c'est à vous de voir. On va repartir pour une deuxième série, même chose, boxer squat, et on enchaînera avec les 4 exercices. Essayez de bien récupérer, profitez de la minute 30 pour faire redescendre votre rythme cardiaque. Inspirez profondément, expirez,
Restez en mouvement, ne vous mettez pas à quatre pattes. Essayez de rester vraiment dans votre bulle, dans votre travail, de dire voilà, je travaille pendant 20 minutes, je me concentre là-dessus. Et essayez pas de trop faire à côté. Restez concentré. Allez, on va repartir. On est prêt pour faire le boxer squat punch. Bien, n'oubliez pas d'aller bien chercher sur les côtés. Serrez bien les abdos. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1. On descend. Et on va mettre une belle frappe dans le côté gauche ou droit. Voilà. Essayez de garder bien votre rythme. D'aller bien chercher les extrémités. N'ayez pas peur de tourner dans le sens de la frappe, votre bassin et votre jambe pour bien travailler les abdos obliques. Voilà, et on garde vraiment bien cette cadence, on descend bien bas et on va chercher vraiment sur les côtés avec un beau point bien souple. Allez, encore deux, encore un. Super, très très bien. On reprend sur tapis et on va faire ses abdos avec les bras tendus, bien souple. Deux variantes, vous essayez de garder les pieds bien au plat, vous montez sur les, vous collez les pointes de pied. On est prêt dans 2, 1, et on monte, on va toucher. Très très simple, les coudes touchent les genoux, pas trop loin. Voilà, vous gardez une tête neutre. Voilà, vous rentrez pas la tête entre vos épaules. Vous essayez d'avoir un rythme soutenu, pas trop rapide, pas d'exploser, pas tenir le reste de la séance. Voilà, vous essayez vraiment de travailler vos abdos et bien aller chercher devant. Plat de pied pour ceux qui savent, ceux qui ont un peu de mal, qui se mettent sur les talons. Alors, encore un dernier. Très très bien, on sent que les abdos ça brûle, ça fait du bien. On va passer aux pompes avec une petite rotation. Deux variantes bien sûr. Une avec les genoux ou une en planche. Essayez quand vous êtes en planche de ne pas laisser le bassin descendre. Restez bien en planche. On se prépare dans 5. Voilà, on se met. On fait une pompe et une rotation. Voilà. Essayez d'être prêt. Bien contrôlé dans votre pompe. N'allez pas trop loin avec votre rotation. Voilà, vous allez chercher le plafond au-dessus. Vous redescendez. Bien sûr, si vous avez du mal, les genoux au sol. Toujours aller chercher le sol avec votre nez. Voilà, bien souple. Tout dans une cadence continue. Si vous voyez que c'est trop facile, vous montez en planche. Hop, et vous faites la rotation. Voilà. Un dernier. Super. Concentre ton travail. On va passer au burpee. C'est celui-là qui fait vraiment monter le rythme cardiaque dans cette séance. C'est pour ça qu'il est plutôt à la fin. Donc, jambe derrière, petit saut ou petite extension. On est prêt, on y va. Hop, hop, hop. Ça, c'est celui-là pour les gens qui ne savent pas sauter. Pas obligé d'aller mettre les jambes trop loin derrière pour pas se faire mal au bassin. Ceux qui savent le font avec un petit saut. Hop, bien souple. Voilà. On pousse sur ses jambes. On serre les fesses quand on saute. Voilà. Et c'est surtout les 10 dernières secondes qui sont les plus dures. Et c'est là qu'il faut tenir. Allez. Hop. Un petit dernier. Super. On est déjà au dernier exercice. On va se mettre en planche et on va monter. Coude, monter. Monter en haut, redescendre. En 3, 2, 1. Deux variantes. Celui-ci avec les genoux au sol. Oui, bien sûr. Tends les genoux, voilà, on monte, on change une fois de côté aussi, une fois on met d'abord le coude gauche, puis le coude droit, essaye vraiment de garder ce rythme, c'est prêt.
presque à la fin. On tient. Allez. Encore un dernier. Super. Vous avez vu, c'était encore une bonne séance pour aujourd'hui. On a bien travaillé. On a bien transpiré. Même moi, je transpire. Alors, je fais ça tous les jours. Donc, ça va vous faire du bien. Vous allez voir. Vous allez augmenter votre rythme cardiaque. Vous allez sentir beaucoup mieux. Surtout maintenant, on prend une petite minute 30 de récupération pour laisser redescendre le rythme cardiaque tranquillement et faire 2-3 exercices de stretch. Comme on a travaillé quand même pas mal les épaules, on a fait des squats, donc on travaille les jambes. On va faire 2 petits étirements. Bien sûr, les étirements, c'est illimité tant que vous voulez, que ce soit dans votre bain, dans votre lit, dans la voiture, dans le bus ou même au boulot. Faites-vous plaisir, étirez-vous un maximum. Ça va donner beaucoup de souplesse à votre corps et vous allez sentir beaucoup mieux. Voilà, on laisse redescendre le rythme cardiaque. Épongez-vous le visage s'il faut. Buvez un petit coup. Pas boire de trop, bien sûr. N'ayez pas peur. Si vous êtes essoufflé, moi aussi j'ai le psy. Donc, on prend le temps, on laisse redescendre le rythme cardiaque tranquillement. Et on va faire 2 petits stretches. Très très simple. Voilà, on récupère. Vraiment. On laisse redescendre. Le premier qu'on va faire, on va se mettre au sol. On va se coller. Et on va juste pousser bien le haut du corps vers le haut. Ça s'appelle le sphinx. C'est pour étirer les abdos. Au niveau des abdos, vu qu'on a quand même fait pas mal d'abdos, il faut aussi les étirer. Voilà, on tient ça 15, 20, 25, même 30 secondes. Ça, c'est à vous de le voir. De là, on passe vers l'arrière. Voilà, on étire bien ses épaules. On met bien la tête entre les épaules. On va chercher bien loin devant. Et on récupère. Même chose, 20, 25, 30 secondes. Bien souple. Parfait. Voilà. Suivant, vu qu'on a fait beaucoup de bras, on va mettre son bras tendu avec l'autre bras. On va venir devant, on va pousser son coude vers le coude opposé pour bien étirer les épaules. Voilà, sans rotation, on reste bien droit, c'est le bras qui vient s'étirer. Parfait, on tient aussi 15-20 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on doit sentir que ça étire. Bien étirer vos épaules. 15, 20, 25 secondes, même 30. N'hésitez pas à refaire les étirements qu'on a déjà fait dans les séances passées. Vous pouvez tous les faire, c'est aucun problème. Voilà, on secoue un peu les bras. On a bien travaillé, on a bien récupéré. Pour aujourd'hui, on a fini. Nous, on se voit dans 2 jours en forme. N'oubliez pas, bien boire, bien manger et surtout, bien dormir et moi je vous vois dans 2 jours.